Tu me pries pour moi, mais je vais essayer de te faire comprendre quand même. Et j'ai une amie qui est in the audience. Qui est dans l'audience, qui est dans l'auditoire. Qui me corrige tout le temps. Mais le but, c'est de vraiment prêcher en français. Comme ça, tu comprends vraiment l'accent, l'émotion et tout. Alors, Preaching Place, c'est une équipe de jeunes. Et... we came together about 2 years ago. On s'est rassemblés il y a à peu près 2 ans. And we had the conviction. Et nous avions la conviction. Myself and my brother. Moi-même et mon frère. That what can we do for our friends? Que pouvons-nous faire pour nos amis? We grew up with our friends. On a grandi avec nos amis. Went to the same school with our friends. On a fait les mêmes écoles. We done the same rubbish as our friends. On a fait les mêmes bêtises. We did everything together with our friends. On a fait tout ensemble avec nos amis. They became our family. Nous sommes devenus une famille. And our life went this way. Et notre vie a pris cette direction with God. Avec Dieu. And their lives carried on that way. Et leur vie ont continué de ce côté-là without God. Sans Dieu. And we were going on the same way. Et nous marchions sur le même chemin. I saw them like myself. Je les voyais comme moi-même. And I thought, there's no difference between me and them. Et je me disais, mais il n'y a aucune différence entre eux et moi. The only difference, la seule différence, is that somebody took their time, c'est que quelqu'un a pris leur temps to speak to me, pour me parler, pardon. To argue with me, pour entrer en argumentation avec moi. To risk getting beaten for me, to get beat up for me, pour de combattre pour moi. Because they wanted, parce qu'ils voulaient, to tell me about Jesus. Me parler de Jésus. And that's the only way. Et c'est la seule manière. Why I'm standing here today. Pour la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. And so I said, there's no difference. Alors je me suis dit, il n'y a aucune différence with me entre moi and my friends. Et mes amis. What can we do for them? Que pouvons-nous faire pour eux? We went to church every week. Nous allions à l'église chaque semaine. We listened to the preachings every week. On entendait les sermons chaque semaine. But my friends are not there to hear the sermon. Mais mes amis ne sont pas là pour entendre les sermons. And my brother, et moi et mon frère, we said, nous avons dit, we have to do something. Il nous faut faire quelque chose. And so we had a little idea. Alors nous avons eu une petite idée. To put all of what we do de mettre en œuvre tout ce que nous pouvions faire on DVD, sur DVD, CDs, CD and the internet, et l'internet to give it to our friends. Et le donner à nos amis.
It was only two of us. Et on était seulement deux. There was nobody else. Il n'y avait personne d'autre. We was doing this on faisait cela for many years. Pendant de nombreuses années. And to be honest, et pour être honnête, the church didn't help us. L'Église ne nous a pas aidés. But we loved the church anyway. Mais nous avons quand même continué à aimer l'Église. Sorry. We grew up nous avons grandi dans l'Église. And we love the church. Et nous aimons l'Église. And we never gonna leave the church. Et nous n'allons jamais quitter l'Église. So we've decided, alors nous avons décidé we're gonna work anyway. De continuer le travail de quelque manière que ce soit. And if the pastors don't like us, et si certains pasteurs ne nous aiment pas, like Jesus, comme Jésus, we're gonna die for them. Eh bien, on va quand même mourir pour eux. And we're gonna work anyway. Et nous allons quand même continuer le travail. And while we were doing this, et alors que nous continuons cela, we put our first sermon nous avons mis en œuvre notre premier sermon on DVD. Sur DVD. And then we gave that to our friends. Nous avons donné ce matériel à nos amis. And I was surprised et j'étais surpris how our friends reacted to de la réaction de mes amis au DVD. I was surprised. J'ai été surpris. And I'm supposed to know the power of Jesus. Et je suis censé être connaître la puissance de Jésus. And so we showed it to our family. Alors nous l'avons montré aussi à nos familles. And they loved it too. Et ils l'ont aimé également. And I was surprised again. And I was surprised again. Et là encore, j'ai été étonné, surpris. And so we was at a camp meeting. Et alors nous nous sommes rendus à un camp meeting. And it was Michael's time to preach. Et donc c'était à ce moment-là le temps de Michael pour prêcher. It was a very serious time. C'était un temps très très sérieux. Because there were some people. Parce que il y avait des gens. This is just the facts. Ce sont simplement des faits. Remember, we love our church. Souvenez-vous, nous aimons l'Église. We're never leaving the church. Nous ne quittons pas l'Église. We're never gonna speak against the church. On ne va jamais quitter l'Église, on ne va jamais parler contre l'Église. Because we love our church. Parce que nous aimons notre Église. And so it's time for Michael to preach. Et donc, le temps était venu pour Michael de prêcher. And we prayed. Et nous avons prié. And this is a true story. Et c'est une histoire véridique. We had no manuscript. Nous n'avions aucun manuscrit. We had no manuscript. Nous n'avions aucune note avec nous. But we knew. Mais nous savions. God was going to say something. Mais nous savions que Dieu allait dire quelque chose. Michael put one verse on this piece of paper. Michael a écrit un verset sur une petite feuille de papier. And I was shaking. And I was trembling. Et moi je tremblais. Because I said, parce que je disais, you've only got one verse. Tu as simplement un verset. How are you gonna make one verse? Comment tu vas à partir d'un verset to have a 1 hour sermon? Faire un sermon d'une heure. I was shaking. Je tremblais. And Michael was sitting et Michael était assis next to me, à côté de moi. And he said, et il dit, God's gonna say something. C'est Dieu qui va dire quelque chose. And so he preached. Et alors il a prêché. It was so powerful. C'était tellement puissant. Every single youth in the building. Chaque jeune dans le bâtiment. There was about 100. Il y en avait à peu près une centaine. We started with about 5. Nous avons démarré à peu près à 5. 1 hour later. Une heure plus tard. There was nearly 50 to 100 youth. Il y avait entre 50 et une centaine de jeunes. And when the appeal was made, et quand l'appel a été lancé, every single one came to the front. Chaque jeune s'est approché de la scène. Even me. Même moi. And after that, et après cela, we said, that's it. Nous avons dit, ah, c'est bon maintenant. We don't have to do anything no more. On n'a plus rien à faire. It's too powerful. C'est trop puissant. But God had something prepared for us. Mais Dieu avait quelque chose en vue pour nous. Because there was one boy. Parce qu'il y avait un garçon. A cameraman. A what? Cameraman. Un caméraman. He said. Il a dit. I'm gonna do. I want to film you. Je veux vous filmer. Anywhere you go. Partout où vous allez. You don't have to pay me. Vous n'avez même pas à me rémunérer. You don't have to take my hand. Vous n'avez pas à me prendre par la main. I will come. Je vais venir. Anywhere you are. Et je vais vous suivre partout, I là où vous allez. You. I will. Film you. Je vous filmerai.
and put you on DVD, et je mettrai donc tout cela sur DVD. Put you on the internet, je le mettrai sur, on le diffusera sur internet. And we will become a team. Et nous allons former une équipe. And I said, et j'ai dit, you're just a cameraman. Mais t'es juste un caméraman. But we had a meeting that day. Mais nous avons eu une réunion ce jour-là même. And at the time where B and my brother fought. Et à ce moment, quand moi-même et mon frère nous sommes mis à réfléchir, we thought we were the only ones. Nous pensions que nous étions les seuls. We met him in his room. On l'a rencontré dans sa chambre. The same cameraman. Ce même caméraman. And we saw all the youth. Et nous avons in the room. Et nous avons vu tous les jeunes s'approcher de la chambre. And every single one of them. Et chacun d'entre eux individuellement. They said. Ils ont dit. We want to. Nous voulons. Do the same thing you're doing. Faire la même chose que vous. Nous voulons faire la même chose que vous. Me and my brother, et moi et mon frère, we were shocked, on a été choqués. Because we thought we were the only ones. Parce qu'on pensait qu'on était les seuls. But it took us, mais cela nous a demandé to preach what we knew, de prêcher ce que nous savions. It took us, cela nous a demandé to look past people's faces, de regarder au-delà des visages des gens and talk to people, et de parler vers les gens. What was keeping us ce qui de ce qui nous gardait dans l'église and what was keeping us et ce qui nous gardait in Jesus. En Jésus. And then when that was done, et alors quand cela fut accompli, that's when we saw people coming to join. C'est à ce moment-là que nous avons vu les gens venir et se joindre à nous. That for me, ceci pour moi and my brother, et pour mon frère was the beginning, ce fut le début of preaching place. De preaching place, de prêcher sur les places, prêcher no dans les lieux. Business meeting. Sorry. No business meeting. Ce ne sont pas des réunions d'affaires. It was a prayer meeting. C'était une réunion de prière. No, how are we gonna make money? C'est pas comment on va faire du fric. It was a prayer meeting. C'était une réunion de prière. No, how are we gonna do this? C'est pas comment on va faire ça. It was a Bible study. C'était une étude biblique. And that one Bible study, et alors une étude biblique, that one prayer meeting, c'est cette réunion de prière, after a preaching direct to the people, et après transformée en prédication dirigée vers les gens, was the beginning of preaching place. Ce fut le début de l'organisation Preaching Place. So that was the beginning of Preaching Place. Et donc voilà, c'était ainsi les Preaching Place portés sur les fonts baptismaux. And we started going from many churches. Et on a commencé à aller d'église en église, de nombreuses églises. But the difference this time, mais la différence cette fois-ci, is everything we did, c'est que chaque chose que nous faisions, we took it outside to our friends. Nous l'exportions aussi vers nos amis à l'extérieur. Everything we did. Chaque chose que nous faisions. Every song. Chaque chanson, chaque chant, pardon. Every poem you think is good. Every poem. Chaque poème que nous pensions être approprié. When you listen into church. Quand vous écoutez dans l'église. And you say that was a good poem. Et vous dites ah ça c'est un joli poème. We took the poem. Nous prenions ce poème. And gave it to our friends. Et nous le donnions à nos amis. We took the songs. Nous prenions les chants. Gave it to our friends. Et on les donnait à nos amis. We took the sermons. Nous prenions les sermons. Gave it to our friends. Et pareil vers nos amis. And we took the testimonies. Et nous prenions les témoignages. And put that online. Et on a mis ça en ligne sur internet. For our friends. Pour nos amis. And we got so much young people. Et on a eu tellement de jeunes. In church. Dans l'église. Outside church, à l'extérieur de l'église, in Christ, en Christ, because of that, à cause de cela, and it's been growing, et c'est ceci prend de l'ampleur, month after month, mois après mois, week after week, semaine après semaine. Andrew Fuller, he put his testimony on YouTube. Il a posté son témoignage sur YouTube. And in 2 days, et en l'espace de 2 jours. He got nearly 4,000 views. Il a eu pratiquement plus de 4,000 vues. They were not church people. Ce n'étaient pas des gens de l'église.
People would stop him outside. Les gens l'arrêtaient à l'extérieur, dans la rue. In the bus. Dans le bus. Yo, Andrew. Hey, c'est toi, Andrew. I saw you on TV. Je t'ai vu à la télé. And he would say, yeah. Il a dit, ouais. And we kept on doing this. Et on a continué à faire ça. We started preaching in the street. Nous nous sommes mis à prêcher dans la rue. We had to get some checks first done. Et d'abord, il fallait avoir quelques contrôles. Police. La police. Council. Le council, donc les autorités locales. And we did it anyway. Et on l'a fait partout. Even vexing them. Même en les vexant. We did it anyway. Mais on a continué à le faire. And we got people. Et on a eu des gens. Joining Preaching Place. Qui se sont joints à Preaching Place. Let me repeat that. Laissez-moi répéter cela. We went on the street. Nous allions dans la rue. Preaching the same thing you hear in church. Prêchant la même chose qu'à l'église. And we got people. Et nous avons eu des gens. Young people. Des jeunes. Joining this church, qui se sont joints à cette église, preaching the same things you hear now. Prêchant la même chose que vous entendez maintenant. And that has been, et ceci a été the work of Preaching Place. Le travail, l'œuvre de Preaching Place, to strengthen the church, pour renforcer l'église, and to bring the world in. Et d'apporter l'église, d'apporter le monde à l'intérieur. That's been Preaching Place. Voilà, c'est cela, Preaching Place. And that's how simple de faire venir le monde. That's how simple it is. Et voilà, c'est aussi simple que cela. And there's been so much more that's happened. Et il y a eu tellement plus qui s'est produit, tellement de développement ultérieur. I won't even have time to go through it all. Je n'ai même pas le temps de passer en revue tout cela. And so, you've heard about Michael. Et alors donc, vous avez entendu parler de Michael. Heard about Andrew. Andrew. Clive. Clive. He's the cameraman. C'est le caméraman, Clive. And Leif. Et Leif. He's another cameraman. C'est un autre caméraman. And before. Et avant. I said these men are just cameramen. Mais j'ai dit mais ce sont de simples caméramans. What can they do? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? But now. Mais maintenant. A cameraman. Un caméraman. With God. Avec Dieu. Can do a lot of things. Peut faire beaucoup de choses. And this is why Preaching Place. Et c'est la raison pour laquelle Preaching Place. Is so powerful. Et si puissante. It's not me. Ce n'est pas moi. It's God. C'est Dieu. And every one of you, et chacun d'entre vous. Because I know this, parce que je sais cela. Jesus doesn't just speak to me. Jésus ne parle pas simplement à moi. Jesus doesn't bother me only in the mornings. Jésus ne me dérange pas simplement moi le matin, au petit matin. I seen last week. J'ai vu la semaine dernière. I sinned last week. I sin. C'est péché. J'ai péché la semaine dernière. J'ai péché la semaine dernière. Et pourquoi Jésus m'occupe de moi? C'est pas seulement moi qui me parle, Jésus. Il parle à toi aussi. Même dans ta tête même. Pourquoi? Et tu dis à Jésus, mais je fais le péché, pourquoi tu m'occupes comme ça? Pourquoi? Laisse-moi tranquille. Mais c'est pas vrai qu'il te parle. Amen. So, he speaks to you anyway. Alors, il vous parle à vous personnellement d'une quelconque manière. So, every idea. Donc chaque idée that you get in your head. Qui s'imprègne dans votre esprit. To return to God. De retourner à Dieu. That's Jesus. C'est Jésus qui fait cela. Why? Pourquoi? I will give you a simple illustration. Je vais vous donner une illustration toute simple. I was at school. J'étais à l'école. There was this one guy. Il y avait un type. Well, there was more than one. Bon, il y en avait un peu plus d'un. Because of the, for sake of illustration. C'est juste pour à des fins d'illustration. We're gonna focus on this one guy. On va se concentrer sur ce type-là. How many guys? Combien de gars? Combien? So there's one guy. Donc il y a un type. And he really hated me. Et vraiment, il me haïssait, c'est pas possible. I didn't know why. Je savais pas pourquoi. I went to school. J'allais à l'école. I wanted to be a car designer. Je voulais être un designer automobile. But this one guy, mais ce type-là, he hated me. Il me haïssait. Why? Pourquoi? I was fat. J'avais de la graisse, j'avais un peu de bide.
I was short. J'étais petit. I was fat. J'avais du bide. I was short. J'étais petit. I wasn't bad. J'étais pas un mauvais garçon. I always drew. J'écrivais correctement. Je dessinais, pardon. And if I was any more geeky, et si j'étais un peu plus illuminé sur le plan des nouvelles technologies, I would have glasses. Je portais même des lunettes. And I would be with all those other kids. Et puis donc j'étais avec ces autres enfants who would bring their apples to the teacher. Qui apprenaient donc, qui apportaient leur Apple device. Qui apportaient des pommes, pas les trucs Apple. Qui apportaient des pommes au prof. You know that guy. Vous connaissez ce type who brings apples to his teacher. Qui apporte des pommes à son prof. Has a little bit of problems. Et il est un peu dérangé, il a un problème. I wanted to be that guy. Je voulais être ce type-là. And do you know why I didn't bring no apples to the teacher? Et vous savez pourquoi je n'apportais pas de pommes au prof? Devine. C'est simple, devine. Pourquoi j'ai pas apporté une pomme à mon professeur? J'ai plus de pommes. I was that guy. J'étais ce gars-là. But this one guy. Mais ce type-là. He hated me. Il me haïssait. Every day after school. Chaque jour après l'école. He wanted to beat me up. Il voulait me frapper. Why? Pourquoi? And guess what it was. Et devinez de quoi il s'agissait. It's because of somebody I knew. C'est à cause de quelqu'un que je connaissais. He did not hate me. Il ne me haïssait pas. Because I was short. Parce que j'étais de petite taille. With a big belly. Avec un bide. I ate too much. Je mangeais trop. He hated me. Il me haïssait. Because of who I knew. À cause de la personne que je connaissais. And the person I knew. Et la personne que je connaissais. Was my cousin. C'était mon cousin. My family. Quelqu'un de ma famille donc. He was the head. Il était la tête. Of all the gangs in London. De tous les gangs de Londres. People knew him. Les gens le connaissaient. And when they saw me. Et quand ils me voyaient. He said, "But you're short." Mais il en dit, mais tu es petit, tu es de petite taille. You got a fat belly. T'as un gros bide. You don't make anybody else scared. Tu ne fais peur à personne. You bring apples. Tu apportes des pommes. To the teacher. Au prof. How do you know your cousin? Comment tu connais ton cousin? But it's my family. Mais je dis, mais c'est ma famille. I don't do the bad stuff. Je ne fais pas de mauvaises choses, moi. But this one guy. Mais ce type-là. Wanted me beaten up. Voulait que je rentre en bagarre avec lui. Because of my cousin who I knew. À cause de mon cousin. My cousin was big. Mon cousin était grand. My cousin did things that made me scared. Mon cousin faisait des choses qui me terrifiaient. I didn't want that life. Je ne voulais pas cette vie, moi. That's why. C'est la raison pour laquelle. I wished. Je souhaitais that I could bring apples que je puisse apporter des pommes at my teacher. À mon prof. But I had no apples. Mais je n'avais pas de pommes. But this one guy, mais ce gars-là, one day, un jour, he said, "I've had enough." Il a dit, maintenant j'en ai assez. I'm going to beat you up. Je vais te frapper. Because of who you know. En raison de la personne que tu connais. And guess what I had to do. Et devinez ce que je devais faire. Devinez. I had to call my cousin. J'ai dû appeler mon cousin à la rescousse. And then I understood. Et alors j'ai compris. Why everybody was scared of him so much. Pourquoi tout le monde était terrifié de lui. Why does Jesus speak to us? Pourquoi est-ce que Jésus nous parle. Why even when we've fallen in sin? Pourquoi même alors que nous sombrons dans le péché? Does Jesus continue to speak to us? Pourquoi est-ce que Jésus continue de nous parler? Why did I give the illustration? Pourquoi ai-je donné cette illustration? It's so simple, knock your head off. C'est simplement pour vous. It's so simple, it's so great. C'est simplement pour vous frapper des étourdissements, des émerveillements, à peu près ça. Hein? Yeah, yeah. And so, this was it. Et alors, c'était comme ça.
The devil, le diable, tells you, vous dit to stay down, de rester en bas, là, couché dans la, dans la fange. Now think for a moment, mais maintenant, réfléchissez un instant. Is he scared of you? Est-ce qu'il a peur de vous? You're short. Vous êtes de petite taille. You're fat. Vous avez du bide. You're skinny. Vous êtes chétif. You're really fat. Mais vous êtes vraiment très gras. You can't speak. Vous ne pouvez pas parler. You can't understand things. Vous ne pouvez pas comprendre les choses. You don't know nobody. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez personne. Money. Vous n'avez pas de fric. You don't even have loads of faith. Vous n'avez même pas des, beaucoup de foi. But the devil tells you, mais le diable vous dit, stay down. Allez, reste couché là. Maybe it's because, peut-être est-ce à cause of who you know. De qui vous connaissez. Maybe it's because, peut-être est-ce à cause, he doesn't want you, il ne veut pas to call your cousin, que vous appeliez votre cousin. Maybe he's telling you, peut-être qu'il veut vous dire to stay down, de rester couché là, because if you get up, parce que si vous vous relevez, he's finished. Lui, il est, c'en est fini pour lui. Maybe he's scared of what will happen, peut-être qu'il est effrayé de ce qui va se passer if you get up, si vous vous levez. Because he knows Jesus. Parce qu'il connaît Jésus. And that is why, et c'est la raison pour laquelle Preaching Place is doing what they're doing. Fait ce qu'il fait. You can do, vous pouvez faire much more. Encore plus. Because encore bien Jesus, plus. Because Jesus, parce que Jésus, he knows, il connaît, what he can do with you. Il sait ce qu'il peut faire avec toi. The further you've been in sin, plus vous avez été plongé dans le péché, the more power you need. Plus vous avez besoin de puissance. The more discouraged you are, plus vous êtes découragé. The more Jesus wants to help you. Et plus Jésus veut venir en, veut vous venir en aide. The more cigarettes you smoke, plus vous avez fumé de cigarettes. The closer Jesus wants to be with you. Plus Jésus veut être proche de vous. You see, the world, vous voyez le monde. They don't want to see perfect people. Ils ne veulent pas voir des gens parfaits. The world, le monde, they want to see, ils veulent voir imperfect people, des gens imperfaits living perfectly. Vivant parfaitement. 'Cause that doesn't make sense. Parce que ça, ça ne fait pas de sens. They want to see your drugs, ils veulent vous voir dans la drogue. They want to see your disco partying, ils veulent vous voir dans les discos. They want to see your drink, ils veulent vous voir boire. And they want to know, et ils veulent savoir how did you get up from that? Comment vous êtes sorti de là. They want to know as well, ils veulent savoir également that if you fell in it again, que si vous retombez là-dedans, what makes you get up? Qu'est-ce qui vous fait vous relever. What makes you get up after, qu'est-ce qui vous fait vous relever après cela. You've gone back in the same thing again. Et vous retombez à nouveau encore dans les mêmes and choses. You know why they ask you that? Et vous savez pourquoi ils vous demandent cela. Because they know, parce qu'ils savent, maybe I'm going to fall and fall and fall, but I want to get peut-être que je vais tomber, mais je vais quand même me relever. Maybe I'm not going to be so strong. Peut-être que je vais pas être avoir suffisamment de force. Maybe I'm not going to have your faith. Peut-être que je ne vais pas avoir ta foi. So what's going to happen to me? Alors qu'est-ce qui va m'arriver? And if all our testimonies are going to be, et si tous notre témoignage vont être, I've never fallen. Moi, je ne suis jamais tombé. I'm perfect. Je suis parfait. And you can't help them. Alors, je ne peux pas les aider. They want to see, ils veulent voir sinners, ils veulent voir des pécheurs. They want to see sinners, ils veulent voir des pécheurs fighting, qui combattent getting up. Pour se relever. And that's what Preaching Place's job is to do. Et voilà, ça, c'est la tâche de Preaching Place. And that's it. Et voilà. Amen. And so you're going to hear, et donc vous allez entendre Michael speaking for a bit, parlant un petit peu. And amen. Et amen. I'm going to do my testimony. Je vais vous délivrer mon témoignage. It's very difficult to share my testimony. C'est très difficile de partager mon témoignage. Because my mom is here. Parce que ma mère est là.
the first time she's going to hear my testimony. Et c'est la première fois qu'elle va écouter mon témoignage. And you're going to understand why it's very difficult for me to share it. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très difficile pour moi de le partager. If I cry, parce que si je me mets à pleurer, there's nothing wrong. Y a rien de mauvais, y a rien de méchant. Sometimes you cry tears of joy. Parfois, il y a des larmes qui sont des larmes de joie. So don't think, oh, what's wrong? Alors ne pensez pas, oh, qu'est-ce qui se passe là? Because a testimony, parce qu'un témoignage, is where you used to be. C'est vous partez de là où, de ce que vous étiez dans le passé. And if you have a testimony, et si vous avez un témoignage, never forget that it's where you used to be. N'oubliez pas d'où vous venez. A testimony, un témoignage. Of where Christ has brought you from, de là où, d'où Christ vous a tiré, is the Christian's most powerful weapon. C'est l'arme la plus puissante du chrétien. Because it's not theory. Parce que ça n'est pas de la théorie. It's experience. C'est de l'expérience. I like to call it, j'aime l'appeler, the devil's nightmare. Le cauchemar du diable. That's not preacher talk. Ce n'est pas du blabla de prédicateur. Remembers. Lui, il se souvient full well. Très très bien, parfaitement. The day, le jour his chains were broken. Où ses chaînes ont été brisées. Remember last night you stood up for an appeal? Vous vous souvenez la nuit dernière, vous vous êtes levé lors de l'appel. He remembers, il se souvient. He was trying to tell you to sit down. Il essayait de vous dire, mais reste assis. But you got up. Mais vous vous êtes levé. And you got up, et vous vous êtes levé by the power of God. Par la puissance de Dieu. Because man of himself, parce que l'homme de lui-même has no power, n'a pas de puissance to fight against the devil, pour combattre le diable, temptation, la tentation and sin, et le péché. So, if you see the tears, alors, si vous voyez des larmes, I'm hoping not to cry, j'espère que je ne vais pas me mettre à pleurer, 'cause I'm a man, parce que je suis un homme. A man. But when I read the text, Jesus wept. Mais quand j'ai lu le texte, Jésus pleura. For the first time when I was having Bible study, pour la première fois quand j'avais des études bibliques, as simple as that sounds, aussi simple que cela puisse paraître, I remember the thought coming to my mind. Je me souviens de la pensée qui s'est imprégnée dans mon esprit. It's not unmanly to cry. Ce n'est pas inhumain de pleurer. Jesus wept. Jésus pleura. And he was a man. Et il était un homme. He wasn't wimpy. Et ce n'était pas un petit gringalet. You understood. Vous avez compris. So, anyway, where would I start? Alors, où est-ce que je commencerai? Par quoi je commencerai? I was 5 years old. J'avais 5 ans. And my parents divorced, unfortunately. Et mes parents, malheureusement, ont divorcé. And I remember, et je me souviens, the time it happened. Et du temps là, auquel ça s'est passé, cela s'est passé, même si j'avais que 5 ans. And in my mind at that time, et dans mon esprit à cette époque-là, all that happened was tout, anger. Tout ce qui se passait, tout ce qui ressortait, c'était la colère. An anger that scares me to this day. Et une colère qui m'angoisse et qui me fait peur encore jusqu'à aujourd'hui. Imagine a volcano. Imaginez un volcan, exploding. Un volcan en éruption. That was me. C'était moi. I just couldn't understand it. Je ne pouvais simplement pas le comprendre. But the response was the same. Mais la réponse était la même. Anger. Et alors la colère. Resentment. Le ressentiment. And so in my mind, et alors dans mon esprit, I held bitterness and anger. J'avais de l'amertume et de la colère against my mom. Contre ma mère. I made a choice. J'ai fait le choix. I will never, ever, je ne jamais. I will never ever respect my mom again. Je ne respecterai plus jamais ma mère. So I grew up, alors, j'ai grandi always being rude to my mom. En étant toujours impoli, insolent always vis-à-vis de ma mère. Toujours en me bagarrant avec ma mère. And then I got to an age, et alors, donc, je suis arrivé à l'âge where I started to go, college. Où alors j'arrivais donc dans mes études supérieures. Now, I grew up going to church. Et j'ai grandi en allant à l'église. Because my dad would continue to take us to church every week. Parce que chaque week-end, donc mon père nous amenait à l'église. And unfortunately, at the time, my mom stopped going to church. Et puis malheureusement à cette époque-là, ma mère a cessé d'aller à l'église. And so, but there was a time when I used to say to my mom, "Let's go to church." Mais il y a eu une époque où je disais à ma mère, "Allez maman, viens, on va à l'église." My mom didn't want to know. Et maman ne voulait pas en entendre parler. Ma mère ne voulait pas m'en entendre parler. Et elle a dit, allez, ne me parle plus de Dieu. And being a small boy, et moi, j'étais un petit gamin. You know, young children have a vous savez, les jeunes enfants, ils ont confidence.
Ouais. A natural confidence. Ils ont une confiance naturelle. Everything's black and white. Tout est blanc ou noir. So, we were taught to go to church. Alors nous, on nous disait d'aller à l'église. So I would say, Mom, let's go to church. Alors je disais, maman, viens à l'église aussi. But because she rejected so many times, I gave up. Mais parce qu'elle a rejeté cette idée, cet appel de si nombreuses fois, j'ai finalement renoncé. So going back to my college years. Alors on revient maintenant à mes années d'études supérieures. I was 16, 17. J'avais 16-17 ans. And I met a girl. Et j'ai rencontré une fille. Now I went to church, remember? Souvenez-vous, j'allais à l'église. And I was taught what was right and wrong. Et on me disait de faire la distinction entre ce qui était bien et ce qui était mal. Now believe me when I say this. Maintenant, croyez-moi quand je vous dis ça. I was sincerely trying to do what was right. J'étais vraiment sincèrement en train d'essayer de faire le bien. Et je voulais vraiment sincèrement faire le bien. If I was in trouble at school, I would admit it. Si j'avais des ennuis à l'école, I would admit it. Je l'admettrais. But it came to the time. Mais je suis arrivé à un point where with my girlfriend, avec ma petite amie, I was doing things I wasn't supposed to. Je me suis mis à faire des choses que je n'étais pas supposé faire, que je n'étais pas censé faire. Et ça se répétait. But I wanted to do what's right. Mais je voulais en fait faire ce qui était bien, ce qui and était juste. Going to church, et alors, en allant à l'église, I'm listening to the sermon, j'écoute les sermons. And every sermon, et chaque sermon, no matter what it was about, peu importe le sujet, the message was the same to me. Le message était le même pour moi. You need to give this up. Il te faut renoncer you à cela. Need to stop. Il faut arrêter. But I would say, how? Mais je disais, mais comment? And I would be searching in my mind. Et alors, je cherchais dans mon esprit maintenant. And at the time, et alors, à l'époque, how I saw God, comment je voyais Dieu, if he was to come, s'il devait venir, he's gonna burn me up. Il va me brûler, me carboniser, I'm gonna be lost. Et je serais perdu. So when I would pray for forgiveness, alors, quand je priais pour le pardon, it was fear that motivated me. C'était la peur qui me motivait. I didn't know about Jesus. Je ne savais rien sur Jésus, Jesus and dying for my sins. Mourant pour mes péchés. I didn't know, je ne savais pas that he already paid for my sins. Qu'il avait déjà payé pour mes péchés. I thought I had to try to be good. Je pensais que je devais essayer d'être bien, d'être and bon. The more good I could be, et plus j'étais, meilleur j'étais, then I'm gonna get to heaven. Alors j'allais faire ainsi mon chemin vers le ciel. So if you have that in your mind, donc si vous avez ça dans votre tête, what happens when you fall? Qu'est-ce qui se passe quand vous chutez? C'est fini, c'est terminé. So what you're going to try to do, alors, ce que vous allez essayer de faire, is, oh, let me stop doing. C'est, allez, je vais essayer d'arrêter. But no one told you, mais personne ne vous a dit, even if you stopped doing what you was doing, même si vous avez arrêté de faire ce que vous faisiez, you still love it. Vous avez toujours ça dans la tête. We need to understand, nous avons besoin de comprendre true Christianity, le véritable christianisme begins with a transformation of the mind. Commence avec une transformation de vos mentalités, de l'esprit. Listen very carefully. Écoute vraiment très attentivement. True biblical Christianity, le christianisme biblique authentique does not begin, ne commence pas, does not begin, ne commence pas by a modification, par une modification of behavior, du comportement. It's not an improvement of the old. C'est pas une amélioration de ce que vous faisiez avant. Illustration de cela. God doesn't imagine this building is dilapidated. Imaginez ce bâtiment complètement en ruine. He doesn't come in. Il ne vient. And strip the floorboards, put new ones down. Il ne vient pas refaire le sol et puis vous remet dessus. He doesn't just put white paint over the rusty pipes. Il ne remet pas un petit coup de peinture sur les tuyaux rouillés. He does not renovate. Il ne fait pas de rénovation. He creates. Il crée. That's what the Bible says. C'est ce que dit la Bible. I did not know that. Je ne savais pas cela. The Bible teaches us the problem is la Bible nous dit que le travail, que le problème, the heart, le problème c'est le cerveau, l'esprit. So what I didn't know, alors ce que je ne savais pas, that which what I was doing, ce que je faisais, was in my mind. C'était dans mon esprit. I was in love with it by nature. J'étais, I was in love with it by nature. J'étais amoureux de cela par nature. So me trying to stop it, alors moi, arrêter cela, I realized I actually loved it. Je réalisais en fait, j'admettais que j'étais bien là-dedans, j'aimais ça. Right. So the solution was. Alors la solution c'était, j'avais besoin d'un changement de mentalité. How can I
do that? Comment je pouvais faire ça, moi? If I genuinely loved this phone, si vraiment j'aimais, par exemple, ce téléphone portable, why one day would I stop liking the phone? Pourquoi est-ce qu'un jour je me mettrais tout bonnement à ne plus l'aimer? And so this was the struggle in my mind. Et alors donc c'était le conflit, le combat dans ma tête depuis pendant longtemps. I know what's right, je savais ce qui était bien, but I can't do it. Mais je pouvais pas le faire. And at the same time, et au même temps, when the temptation comes, quand la tentation vient à moi, all my emotions are saying toutes mes émotions disent oui. But I'm taught, mais on m'a enseigné, you shouldn't be like that. Tu ne devrais pas être comme ça. But I'm like that. Mais je suis comme ça. I'm being honest, I'm like je suis that. Honnête, c'est moi. Everything I heard in church was, don't be like that. Tout ce que j'entends dans l'église, c'est tu ne dois pas être comme ça. So none of the messages gave me any hope. Alors le message ne me donne pas d'espérance. So I left. Et je me barre for a little bit. Pendant un petit moment. That's the point. Voilà, c'est ça. I'm like this. Je suis comme ça. And you're saying, don't be like this. Sorry? And the church is saying, don't be like et l'église this. Me dit, ne sois pas comme ça. So then you don't join the church. Alors donc finalement, bah, vous ne vous joignez pas à l'église. There's a club. Il y a un club. An illustration again. Encore une illustration. And they say you must wear a red costume. Tu dois porter un costume rouge. But the red costume costs 20,000 euros. Mais le costume rouge coûte 20 000 euros. Now you like red. Maintenant, tu aimes le rouge. You know where to get it. Tu sais où te le procurer. You haven't got the money, though. Mais t'as pas le blé pour te le procurer. It costs too much. Ça coûte trop cher. You wanna join the club. Tu veux aller au club. You agree with the rules. Tu es d'accord avec you like the les règles. In the club. Sorry. You like the people in the club. Vous aimez bien les gens qui sont dans le club. And you love the manager. Et puis vous aimez le manager. But you've never met him. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. And someone told you et quelqu'un vous a dit that you have to buy the suit. Qu'il te faut d'abord acheter le costume. Are you getting the illustration? Et vous saisissez l'idée? That was the wrong information. C'était la mauvaise information. One day the manager, I met him on the road. Un jour, le manager, je l'ai rencontré dans la rue. And he told me the costume was free. Et il m'a dit, mais le costume est gratuit. All you had to do, tout ce que tu dois faire, was come to me. C'est de venir à moi. And sincerely, et sincèrement, apologize. Présenter tes excuses for what you have done. Pour tout ce que tu as fait. I will buy you the suit. Et moi, je vais te payer le costard. Out of my own money. Je vais sortir l'argent de mes propres poches. It's all right, that's what the kids do. Ne vous inquiétez pas. C'est les enfants, puis j'en ai trois. So, you get the illustration. Vous saisissez l'idée. Someone told you have to buy the suit. Quelqu'un vous dit, mais il te faut acheter le costard. So yeah, how am I going to get 20,000 euros? Et dit, mais où est-ce que je vais dégoter 20 000 euros pour m'acheter le costard? And you know what some of us do? Et vous voyez ce que quelques-uns d'entre nous font? We buy a cheaper version. Eh ben, on va acheter une version un peu plus cheap, un peu plus low cost. And we try to look the part. Et puis donc, on essaye de ressembler un peu we buy à. A fake designer suit and come to church. On achète une genre de contrefaçon, une copie, une pâle copie. Du costard qu'il faut pour aller dans le club, ça a l'air rouge. It's got the same name. Ça n'a pas la même marque par it's contre. Not the real deal. C'est pas le même deal. So, came to the point where donc j'en suis arrivé au point où I heard about a campaign. J'ai entendu parler d'une campagne. A preaching at church. Une campagne, une série de prédications à l'église. Now, in my mind, et dans mon esprit, there was a burden. Il y avait un fardeau. Guilt was eaten away at my heart. Il y avait de la culpabilité qui me dévorait le cœur. I used to cry myself to sleep many a times. I used to cry myself to sleep. Je pleurais moi-même pour en parler. There'll be many a times I'll be crying at night time. Il y a eu de nombreuses fois où je pleurais les nuits. Many, and there'll be times I didn't understand why. Et il y a des fois je me disais mais pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi. Very sad. Je me sentais tellement triste. And then I'd just fall asleep. Et puis je finissais par m'endormir. I never really prayed properly. Je ne priais pas vraiment comme il faut. But when I look back, mais quand je regarde en arrière, l'Esprit de Dieu m'a porté au souvenir, à la mémoire,
que dans mon esprit, je blâmais Dieu à de nombreuses reprises. I wish I could change. Et j'espérais pouvoir changer. So I didn't kneel down and pray. Alors je ne m'agenouillais pas pour prier. But you know those thoughts that just crush your mind. Mais vous savez, c'est ces pensées me catapultaient l'esprit, me pulvérisaient l'esprit, pardon. He's doing good. C'est dur et ma traduire parce que we've got a colloquialism. Parce qu'on a des façons de parler, c'est voilà. We're from Southeast London. On est du sud-est de Londres. So he's doing excellent. No, he is doing excellent. Amen. So I'd never really prayed, but I remember thinking. Alors je n'ai pas vraiment prié, mais je me souviens que j'avais en fait le but final pour moi, c'était de changer. So, 'cause I grew up going to church, alors donc j'ai grandi en allant à l'église. I said, the answer must be in church. Et j'ai dit, mais il doit quand même y avoir une église. There's no harm. Let me go to these preachings. Sorry. Let me go to this event. Allez, je vais y aller moi à cette série de prédications. À cette, oui. Now listen very carefully. Alors maintenant écoutez attentivement. At the time, I had to drop out of college. J'ai dû abandonner les études. And that's another long story. Et ça, c'est encore une histoire très longue. So I had no money, donc, j'avais pas de fric. But I would walk from the basketball court, mais je marchais donc du terrain de basket. Because I love basketball. Parce que j'aime beaucoup le basketball. That was my only relief. C'était mon seul soulagement. I didn't do drugs, smoking. Je ne me suis pas mis dans les drogues ni dans la cigarette. But basketball. Mais alors, le basket, was my... c'était mon truc. Yeah. I played it because there was gave me a sense of worth. Je jouais parce que ça me donnait une sens de je vaux quelque chose. I naturally took to the sport. Et puis donc naturellement j'étais porté sur le sport. I practiced and practiced and practiced. Et j'y allais dans ce sport, j'y allais de tout mon soul. Because when everybody would be standing around. Parce que quand tout le monde était en train de regarder là autour. Et puis donc je faisais mes passes, mes dribbles. And I would fake the guy. Et puis donc je faisais des feintes avec les types. Et puis je mettais des paniers. And score. Et puis And everyone cheers. Et puis donc tout le monde, ouais. That gave me something. Ça me donnait quelque chose. So it pushed me to practice more. Et donc ça m'a encore poussé à aller plus loin. To practice more. De pratiquer le basket encore in plus. Summertime, when you see all the girls. Et puis donc l'été, il y avait les filles autour. Et les filles, ouais. And you run down the court. Et puis. I'm just being honest. Et puis voilà, je suis honnête avec vous. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. There's nothing wrong. Il n'y a rien de mauvais. With desiring to be liked. À désirer être aimé. With the you want to feel like you're something. Vous voulez vous désirez être quelqu'un, quelque chose. Listen carefully. Maintenant écoutez attentivement. But the devil perverts this desire. Mais le diable pervertit ce désir. And says that can be fulfilled. Et il dit mais t'inquiète pas, ça peut être accompli. Smoking, tu vas fumer, money, tu vas boire le fric. L'amour de l'argent. Or women, ou les nanas, whatever it is. Peu importe quoi que ce soit. Mine was girls and sport. Moi, c'était les femmes et le sport. So I'm just being as honest as I can. Je suis vraiment honnête avec vous autant que je peux être. Because Romans 1:16, parce que Romains 1, verset 16, I love this text. J'aime ce texte. And that's why I can be so kind of frank with you. Et c'est la raison pour laquelle je peux être vraiment franc avec vous. For I'm not ashamed. Parce que je n'ai pas honte. Of the gospel of Christ. De l'évangile de Christ. The gospel is the remedy for sin. L'évangile, c'est le remède de Dieu pour le péché. So how can I deny I was once sick? Alors, sorry. How can I deny I was once sick? Comment puis-je nier que je n'étais pas malade? How can I be ashamed I used to do these things? Je ne suis pas dans la honte de dire que j'ai fait ces choses. I can't be ashamed. Je ne peux pas avoir honte. Because I want to remind the devil. Parce que je veux me souvenir que le diable. Of his nightmare. Et de son cauchemar. Because too many times. Parce que à de trop nombreuses fois. I've fallen back. J'ai rechuté. But what makes me get up. Mais ce qui m'a fait me relever. Is remembering the time. C'est de me souvenir du temps. When I was in that chair like you. Quand j'étais assis sur cette chaise in comme that vous. Church.
dans cette église, listening to the preaching, en écoutant le, la prédication, for the first time, et pour la première fois, I heard about the love of Christ for my j'ai entendu soul. Parler de l'amour de Dieu pour mon âme pécheresse. Il n'y avait rien en moi qui me donnait confiance à cette époque. Parce que je savais que j'étais un pécheur invétéré. J'ai tué personne. Je ne volais pas. Je ne vendais pas de la drogue. C'est pas le point là. Mais je péchais. And I was made aware, keenly aware. Et j'ai été amené à l'éveil de la conscience. And I didn't know that was the spirit calling me. Que je ne savais que c'était l'esprit qui m'appelait. I didn't know I was actually thirsting for Christ. Je ne savais pas en fait, j'étais même pas conscient que j'avais soif de Dieu, de Christ. Until I was listening to the preacher. Jusqu'à ce que j'écoute le prédicateur. And all I remember, et tout ce dont je me souviens, is him saying this. C'est lui, il disait cela. If you come to Jesus, si tu viens à Jésus, he will change your heart. Il va changer ton cœur. I didn't know how, je ne savais pas comment, but it made sense. Mais ça prenait sens. Because I already done the experiment, parce que vraiment j'ai fait l'expérience of trying, d'essayer. And I failed. Et j'ai chuté, j'ai échoué. And I loved these things I was doing. Mais j'aimais ces choses que je faisais. But I didn't want to love them. Mais je ne voulais pas les aimer en fait. So when I heard a message, alors quand j'ai entendu le message that somehow, que d'une certaine manière God, Dieu will change my mind, changerait mon esprit, I said, that must be the truth. J'ai dit mais alors ça doit être la vérité. It must be the truth. Ça doit être la vérité. So he made an appeal, alors il a fait un appel ce prédicateur and I responded. Et j'ai répondu. But because I was so ashamed, mais parce que j'avais tellement honte to go to the front, d'aller vers la scène, I came to church with my basketball. Je suis arrivé avec mon ballon de basket sous le bras. J'avais ma cagoule. I had my shorts on. Ma capuche. And my shorts. Et j'avais mes shorts, mon bermuda de sport. Sorry. Everyone had their suit and tie. Et tout le monde avait son costard et sa cravate. I used to shave my eyebrows. J'avais même rasé mes sourcils. Because the gangs used to put like two lines, like 11 in their eyebrows. Parce que les gangs avaient l'habitude de tailler leurs sourcils avec 2 onces, de 2 fois 1. So I wasn't in the gang. Et moi je n'étais pas impliqué dans un gang. But I knew if I did that. Mais je savais que si je faisais cela. And I walked the walk. Et que je marchais dans la rue. I knew it. People would be scared. Je savais que les gens me respecteraient, auraient peur de moi. I was not tough. J'étais pas un gars dur. I was a church boy. J'étais un enfant de l'église. Hardly never fought with nobody. Sorry. Je ne me mettrais pas à bagarrer avec qui que ce soit. Not because I was tough. Pas parce que j'étais un garçon dur. I could look tough. Mais je pouvais regarder avec un regard et puis j'avais une langue, hein, j'avais de la. I could make you feel scared. Je pouvais vous faire trembler. I could make you tremble in your boots. Je pouvais vous faire trembler dans vos chaussures. Sorry. Guys bigger than me. Même des types plus grands que moi. Anger that I had, avec la colère que j'avais en moi. That's what I would use. C'est ça que j'utilisais. To feel tough. Pour me sentir wow, quelqu'un. But that wasn't tough. Mais en fait, j'étais pas un gars très fort. I was trembling in my boots. Je tremblais dans mes bottes là. So my point is, et alors, là où je veux en venir, that's how I came to church. C'est pour cela que je suis venu à l'église. So I didn't go up straight away when the pastor made the appeal. Alors je suis pas venu immédiatement dès que le pasteur a fait l'appel. I went afterwards when everyone left. Je suis venu après, quand les gens ont commencé à se disperser, très and timidement. Then, et alors I took the slip. Et alors j'ai pris donc un petit feuillet. And gone. Et puis tout le monde était parti. And went in the dark. Et puis je suis allé là dans le and filled it out. Dans le je suis allé dans un coin sombre et j'ai rempli mon petit feuillet. No one saw. Personne ne l'a vu. But heaven was rejoicing. Mais le ciel l'a vu. Le ciel en a été témoin. Now, I didn't tell my mom. Maintenant, j'en ai rien dit à ma mère. Because I thought she wouldn't want to come. Parce que je me suis dit, de toute façon, elle ne voudra pas venir. But they found out, mais ils ont découvert
And at the time, my brother as well had totally left God. Et à l'époque où mon frère avait également complètement quitté Dieu, but they came to my baptism. Ils sont venus à mon baptême. I didn't have Bible studies. Et ils ont eu des études bibliques, ils ont pris des études bibliques. I didn't have Bible. Moi, je n'ai pas eu d'études bibliques. But the Spirit of God was speaking to me loud and clear. Mais l'esprit parlait à... Sorry, can you repeat? Loud, the Spirit of God speaking to me loud and clear. Mais le Saint-Esprit me parlait dans mon esprit de manière forte et claire. So when I was in the pool. Alors quand j'étais in the swimming pool. No, the pool, the baptism pool. Ah pardon, quand j'étais dans le baptistère. And my dad was reading a poem. Mon père a lu un poème. He's very good at poetry. Parce que c'est un très très, il est très bon en poésie. For the first time. Pour la première fois. Tears started coming down my. J'ai vu des larmes ont commencé à rouler sur mes joues. Tears of sorrow for what I've done. Des larmes de tristesse pour ce que j'avais fait. But at the same time. Mais à la même occasion. Hope. L'espérance. This is what I love about the cross. En même temps, l'espérance. C'est ce que j'aimais au sujet de la croix. It makes you feel, it fills you with sorrow. Cela vous remplit de tristesse. But at the same time, mais en même temps, it gives you an unconquerable hope. Cela vous donne une espérance à conquérir le monde. Justice and mercy. La justice et la miséricorde. Qui s'unissent. True, genuine Christians. Les chrétiens authentiques, vrais, make no excuse for sin. Ne donnent aucune excuse au péché. But they admit where they're fallen. Mais ils admettent, ils reconnaissent là où ils ont chuté. Because God says, I don't despise the contrite heart. Parce que Dieu dit, je ne méprise pas le cœur contrit. And I used to think, je m'étais mis à penser que si tu es désolé, ça ne peu importe, peu importe. You're still doing the thing you're not supposed to. Peu importe si tu es désolé, parce que de toute façon, tu continues à faire les choses que tu étais habitué à faire. Et je ne savais pas I could come to God because I'm sorry. Que je pouvais venir à Dieu parce que je suis désolé. And he would take away. Et il prendrait, il ôterait. The problem of sin. Il ôterait, il enlèverait le problème he du péché. Change my heart. Il changerait mon cœur. He would give me the Holy Spirit. Il me donnerait le Saint-Esprit. And that's why I got baptized. Et c'est la raison pour laquelle je fus baptisé. What he was saying. I believe what he was saying. Je croyais ce qu'il disait. J'ai cru à ce qu'il disait. While I'm in that pool, et alors que j'étais donc dans ce baptistère, I will be receiving the Holy Ghost. Je recevrai donc le Saint-Esprit. And that's how I would live the new life. Et c'est à partir de là que je me mettais à vivre une nouvelle vie. Tears were coming down. I tried to control. I tried to. J'essayais de le contrôler, j'essayais de l'arrêter, mais les larmes n'arrêtaient pas de couler. And the more I tried to stop, et plus j'essayais de m'arrêter de pleurer, the more stupid I looked. Plus j'avais l'air stupide. Et donc je tremblais comme ça. You know, you've been there. Vous savez, vous avez déjà été dans des situations comme ça. Just cry. Et puis allez-y, pleurez, lâchez-vous. As soon as I just let it go. Et alors quand je me suis lâché, que les larmes ont coulé, les pensées se sont multipliées dans mon esprit. I don't ever leave you, Jesus. I don't ever je veux t'aimer, Jésus, je ne veux plus jamais te quitter. When I got out of the pool, my mom met me with a towel. Quand je suis allé donc dans le baptistère, ma mère m'a enveloppé d'une serviette. And tears were running down her eyes. Et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. And she came back to church after that. Et elle est venue à l'église après cela. She's never left ever since. Et elle n'a plus jamais quitté l'église depuis. And our relationship. J'ai une relation. And our relationship. Et notre relation. It was never... Yes. Thank you, brother. I thank you. You make me cry as well. Our relationship. Notre relation. Now, it doesn't mean
I became automatically perfect. Maintenant, cela ne voulait pas dire que je devenais immédiatement, automatiquement parfait. I never used to say sorry to my mom. Mais auparavant, jamais j'aurais dit « Maman, je suis désolé ». So if I lost my temper afterwards, alors donc, si je me mettais en colère après cela, which I did, ce qui m'est arrivé, I would not go and say sorry. J'allais maintenant vers elle et je lui disais « Je suis désolé ». And so, I thank Jesus. Et alors, j'ai trouvé Jésus for giving me the ability, qui m'a donné la capacité that when I do wrong to somebody I love, que quand je fais du tort à quelqu'un que j'aime, because I said sorry to him first, parce que je dis d'abord à Dieu pardon, je suis I désolé, no problem humbling myself, je n'ai pas de problème pour m'humilier moi-même and saying sorry to you, et puis de te dire ensuite je suis désolé. I say, by the grace of God, I want to do better. Je dis par la grâce de Dieu, je veux faire encore mieux. So my time is up. Alors maintenant, mon temps est terminé. But I pray, mais je prie that the Lord, que le Seigneur, somebody has been touched, que quelqu'un a été touché. And, je prie que quelqu'un a été touché. I said, amen. Et je dis amen. I'm just gonna close with a word of prayer. Je vais juste clore par un mot de prière. You stand with me. Pouvez-vous vous lever avec moi? Father in heaven. Père qui est notre Père qui est au ciel. Thank you for using myself merci, as my translator. Merci de m'utiliser ainsi que mon traducteur. Father, you only can do a work in the heart. Seigneur, c'est toi seul qui peux faire le travail, le boulot dans le cœur. I pray for those especially. Je te prie pour ceux qui spécialement that have a testimony, qui ont un témoignage, that this would have encouraged them to start sharing it. Et que cela maintenant les encourage à partager. And those who are struggling to know Christ, et ceux qui sont en lutte pour connaître Christ, this would have encouraged them, que cela puisse les encourager, that you're a prayer away. Sorry. You are a prayer away. Que tu es juste à la distance d'une prière. Tu es juste éloigné de la distance d'une prière. All we have to do, que tout ce que nous avons à faire, is just come. C'est juste de venir. Just come and pray. Juste de venir et de prier. Not in a form, pas d'une manière formelle, formaliste. But because you love us. Mais parce que tu nous aimes. You died for our sins. Tu es mort pour nos péchés. I pray these things, et je te prie cela in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.